Cette tournée nationale entre dans le cadre de la vulgarisation auprès des confrères du Sénégal, les missions essentielles de la Maison de la Presse. Des missions jusqu'ici méconnues du public et surtout des acteurs de la presse. Et le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhare Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de la Communication Aliou Tsall, nous ont demandé de faire le tour du Sénégal, d'aller voir les confrères, les acteurs de la presse, leur faire savoir la mission de la presse, mais également leur faire savoir les nouvelles missions assignées à la Maison de la Presse. Parce que le président de la République, dans l'option nouvelle, il s'agit de donner à la presse toute sa dignité possible, de redonner à la presse toute sa dignité. Et pour ce faire, il faudrait que la Maison de la Presse soit une vraie Maison de la Presse, qu'elle soit accessible à tous les journalistes, à tous les techniciens de l'information et de la communication. Mais cette Maison de la Presse aujourd'hui est implantée à Dakar. Dans son projet, le ministère de la Communication veut l'installation de maisons de la presse un peu partout au Sénégal. À Ziguinchor, que la maison de la presse ne soit pas seulement à Dakar, parce que le président a dit, la presse ne se limite pas qu'à Dakar. Elle n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans, il y a 25 ans. Aujourd'hui, elle est partout au Sénégal, donc il faudrait que cette presse-là bénéficie des avantages qu'offre la maison de la presse. C'est la raison pour laquelle donc nous sommes là et nous continuons notre tournée et nous sommes très heureux d'avoir cette mobilisation de toute la presse de Ziguinchor autour de cette question, mais également recueillir les avis des uns et des autres et des questions que nous avons bien voulu répondre. Mais également leur faire comprendre les projets nouveaux que le président de la République nous a confiés. Il s'agit d'abord de l'organisation du Salon international des médias d'Afrique qui sera un rendez-vous incontournable en Afrique et dans le monde. L'étape de Ziguinchor nous permet d'avoir l'espoir de pouvoir réaliser justement ce vœu cher aux nouvelles autorités dans le vent d'espoir aujourd'hui qui souffre sur le Sénégal.